Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 26 février. Et aujourd'hui, il y a énormément de petites choses qui sont ajoutées dans la mise à jour. Notamment, le truc principal, en fait, c'est des quêtes avec Linda concernant la déesse Aiden, ou je sais plus ce que c'était, Catherine, ou un truc comme ça. J'ai oublié. Voilà. Donc, cette quête, apparemment, c'est à part des quêtes principales, en fait. Et ça n'impactera pas le fait des autres quêtes principales qui arriveront. Donc, cette quête-là, elle est séparée en trois chapitres, et le deuxième chapitre sera mis dans la première semaine du mois d'avril, si j'ai bien retenu. Et ils ont modifié quelques trucs. Par exemple, pour le carnet des missions, là en cours, bah, on n'a pas de mission en cours là. Dans les disponibles, ils ont mis mission secondaire. Bon, j'ai pas d'autres missions, donc il n'y a que ça. Et sinon, là, ça n'a pas changé, mais sinon, ils vont mettre clairement quelles sont les quêtes secondaires et quelles sont les quêtes principales. Ils ont aussi, en fait, avant Golden Hills, donc la vallée de Golden Hills, on pouvait la débloquer au niveau 12, et au fur et à mesure du temps, il y a des quêtes qui sont ajoutées qui ont fait que maintenant on ne le débloque que vers le niveau 16-17, et donc du coup maintenant on peut le débloquer à partir du niveau 12. Du coup, pour les autres petites nouveautés, je vous laisserai les voir sur le site parce que je ne saurais pas tout vous dire car je n'ai pas tout retenu. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre. La quête secondaire se déroule dans la maison de Linda en premier. Ok, donc là on doit aller l'accompagner à l'écurie Jorvik. Parce qu'elle veut qu'on fasse un livre de fanfiction avec ce qu'on aura recueilli sur Catherine. Ah oui, en plus je tiens à préciser que si la vidéo sort tard, c'est parce que tout simplement la mise à jour elle a pris énormément de temps pour charger et j'ai dû désinstaller puis réinstaller le jeu. Voilà. Maintenant on va récupérer des morceaux de fragments d'âme. Ok, donc là nous avons récolté le fragment. Donc en fait, c'est genre comme une collection, donc comme token, etc. Oh non, c'est comme les quêtes avec token, c'est une blague. En fait, c'est dispersé en trois chapitres, et j'imagine fortement que les deux autres chapitres, bah, ça va être pareil en fait. Et là, on doit trouver des fragments d'âme, donc 10 fragments d'âme, autour de l'écurie Jorvik. C'est une blague, je m'imaginais pas que ce serait comme ça, c'est vraiment une blague. Non mais vraiment, là, je suis un petit peu déçue parce que je m'imaginais pas que ce serait comme ça. Et clairement, c'est très 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 bizarre. Je ne vois aucun fragment d'âme, vraiment aucun. Ah bah si, j'en ai vu, voilà. Je n'ai rien dit. En voilà. Hein. Ouais, c'est une nouvelle collection et c'est un peu énervant quoi de faire ce genre de choses. Ah, il y en a un autre ici. Moi, c'est plus que 8 à trouver. Ah, en voilà. Il était bien caché quand même. N'empêche, c'est quand même barbant ce genre de mission parce que voilà, c'est un peu chiant. Ah, il y en a un là-bas. Ah, il y en a là-bas. Je m'en doutais bien qu'il y en aurait par ici. Il y en a juste derrière le moulin, tout près de la famille Jarlason. Bah écoutez, il m'en reste plus que 3, mais je ne les trouve plus. Enfin, je ne trouve plus rien. Ah, attendez, je viens de voir un truc. Dans la maison de Herman. Enfin, c'est pas dedans, mais juste à côté, quoi. Du coup, il m'en reste plus que 2. Mais c'est assez chiant de faire ça parce que j'ai vraiment l'impression de faire des trucs comme Token. Ou les araignées, les étoiles aussi, enfin c'est. Ah mais il y en a là-bas. Bon, je vais rallonger tout ça. Mais du coup c'est assez chiant de faire ça. Parce que comment dire, ben. Je pensais que ce serait vraiment des missions genre comme on avait l'habitude d'avoir, mais. Mais non. Ah, elle est plus qu'une courage. J'espère qu'il y aura autre chose quand j'aurai trouvé les 10 premières. Parce que s'il y a que ça, ce serait vraiment du gros foutage de gueule. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, vous pensez comme moi, parce que voilà, on s'attendait tous à un truc de fou, et puis là, on doit trouver des trucs comme Token, en fait. Après des heures et des heures interminables de recherche, j'ai trouvé où était le dernier, et en fait, vous devez longer par ici, donc tout près de Jarlaheim, et en fait, vous devez continuer tout droit, et vous trouvez directement le truc qui est juste derrière la petite maison ici. Je pensais pas que ce serait ici. Donc maintenant, on va aller parler à Linda et on va voir un peu la suite, voir ce qui se passe. Et j'espère que ça va être un truc génial parce que clairement là. Ah, ah, attendez. Ok, donc là, j'ai eu un texto de Linda me disant de la rejoindre à l'écurie Jorvik parce qu'elle avait senti que j'avais trouvé tous les fragments. Ok, donc on doit s'approcher des papillons, je crois. Donc là, c'est Catherine qui s'apprête à monter son cheval et on pense que ça pouvait être une race stellaire. N'empêche, c'est joli le filtre comme ça. Enfin, c'est noir et blanc, c'est tout simple, mais j'aime bien.
Donc là, c'est Catherine qui rencontre les gardiens, donc Météor, Starshine. Là, c'est le jour où Catherine a découvert le rôle que joue l'écurie Jorvik pour aider les Soul Riders. Là, Linda est en train de nous ramener dans le présent. Ok, donc là, je dois apparemment rechercher encore des fragments. Ah oui, oh, oui, non, effectivement. En fait, ça, c'est le premier chapitre, et en fait, il y a d'autres emplacements. Donc, 10 pour le Bois Écreux, 10 à l'écurie Morland, et 10 pour Sudoven. Et là, c'est. En fait, il y a 15 journaux de Catherine Holbrook. 15 pages, je crois. Ouais, non, il y a 15 pages. Donc, je vais faire l'écurie Morland avec vous. Et puis après, je vous laisserai sur ça parce que je vais pas faire tous les endroits. Je vais garder un peu la surprise. Donc, voilà, je vais faire l'écurie Morland avec vous. Mais le problème, c'est que comme je le craignais, c'est exactement comme Token, comme les araignées, etc. C'est vraiment le même genre de quête. Enfin, en tout cas, c'est pas le genre de quête qu'on est obligé de faire parce que. Comme SSO a dit, on n'est pas obligé de les faire pour avancer dans l'histoire du jeu, donc ça c'est cool. Mais voilà, vaut mieux quand même les faire par précaution. Donc maintenant, on va faire Morland. On va essayer de chercher les petites, ces petits fragments. Alors, j'en ai déjà trouvé une ici, tout près de la maison de Madame Holdsworth. Il y en a une tout près du championnat, juste à côté. Il y en a une dans la zone où on fête le solstice d'été et l'anniversaire du jeu. Il y en a une juste à côté du phare. Ça va, en vrai, ça peut quand même nous occuper ce genre de quête, mais ouais, c'est juste que c'est un peu barbant, vous voyez? C'est un peu comme Token, vous avez la flemme. Comme la pêche aussi, vous avez un peu la flemme de faire ça, bah, c'est un peu le même genre de quête en fait. Ah oui, tant que j'y pense, ils ont supprimé les entraînements druidiques, donc on ne peut plus les faire, d'après ce que j'ai compris en tout cas. Ah, il y en a juste là. Il y en a sur le pont là-bas, derrière la carrière et le pole bending. J'imagine fortement qu'il y en a une dans la mine, ça ne m'étonnerait pas en tout cas. On va regarder des deux côtés. On va regarder de l'autre côté parce que je suis quasiment sûre qu'il y en a une ici. Bon, bah en fait, j'étais beaucoup trop sûre de moi. Ah, il y en a une là-bas. Ah, il y en a juste là en bas, j'avais pas vu. En même temps, j'ai pas encore visité par ici. Voilà. Il y en a juste là. Donc il y en a une juste derrière le cirque. Enfin, juste à côté plutôt, mais. Mais je pensais pas qu'il y en aurait aux terres de Nilmer. Parce que c'est pas Morland à aller aux terres de Nilmer. C'est pas vraiment Morland. Donc il m'en reste plus qu'une à trouver. Et c'est assez chiant à trouver, je vais pas vous mentir. Bon bah écoutez les gens, j'ai littéralement envie de pleurer. Parce que je cherche le 8e à l'écurie Morland. Sauf que le 8e, je ne le trouve pas, et c'est le dernier que je dois trouver à cet endroit-là. Et clairement, ça fait une bonne vingtaine de minutes que je suis en train de chercher, et que je ne trouve pas. Donc du coup, là, j'ai décidé d'abandonner. Enfin, d'abandonner pour la vidéo. Donc si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, bah, vous avez un peu compris le principe de ces missions, c'est vraiment comme Token, les étoiles, les araignées, c'est exactement pareil. Sinon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!